Bonjour. Les conventions collectives arrivent à échéance le 31 mars 2020 et c'est au plus tard le 31 octobre 2019 que la FPPE devra déposer ses revendications au plan sectoriel. L'automne dernier, nous avons fait une tournée de pré-consultation dans tous les syndicats affiliés. Près de 700 membres y ont pris part. Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur participation à cette première phase. C'est en partant de tous les commentaires reçus lors de ces rencontres que nous avons choisi les quatre thèmes de cette consultation et que nous avons cherché des pistes de solutions. Pour la première fois de son histoire, la FPPE et ses syndicats ont décidé de procéder à cette consultation via un sondage électronique. En effet, étant donné que cette étape vise à recueillir la position de chacun face aux solutions proposées et non à prendre un vote, nous croyons que ceci permettra à un plus grand nombre de membres d'exprimer leur opinion. Suite à cette consultation, qui se terminera le 5 avril prochain, le Conseil fédéral déterminera les priorités afin de préparer notre cahier de demandes sectorielles. À ces priorités s'ajouteront certains problèmes d'application des conventions ainsi que quelques demandes coordonnées avec d'autres groupes. Parallèlement, en front commun, nous élaborerons un projet de demande intersectorielle sur l'enjeu salarial, la retraite, les droits parentaux ainsi que les disparités régionales. La consultation sur ces sujets se fait dans un autre forum. Nous avons bon espoir que la partie patronale sera réceptive à la problématique d'attraction-rétention du personnel professionnel et aux solutions proposées à ce problème de plus en plus criant. Par contre, pour arriver à la convaincre d'adopter nos solutions et d'éviter les récupérations sur nos conditions de travail, nous aurons besoin de votre mobilisation. C'est avec vous que nous réussirons à porter ces revendications jusqu'à un règlement satisfaisant et à prendre la place qui nous revient. Merci et bonne consultation.